Thank you, Jesus.
Jesus. Tout pouvoir qui combat contre l'autorité de Jésus dans ma vie. Pouvoir qui combat contre l'autorité de Jésus dans ma vie. Dans ma vie. Tu as assuré. Tu as assuré. Tu as assuré. Par la puissance dans le sang de Jésus. Je retends ce pouvoir. Je retends ce pouvoir. Tu as dit, continue dans cette grande délivrance. Seigneur de Suisse, viens faire ton œuvre. Viens manifester sa puissance. Merci pour être avec nous toujours. Merci pour ta puissance. Merci pour ta puissance. Et partage notre vie avec ton sang. Prends contrôle. Seigneur de Suisse, utilise-moi. Que ton fait, tout ça que je vais déclarer ce soir, Seigneur de Suisse, toute la prière qu'on va faire, Seigneur, que ça vient depuis de ton trône. Au nom de Jésus Christ. Et que ça va direct. Dans toute notre situation, dans tout notre problème, dans toutes choses qui refusent la puissance, l'autorité de Jésus-Christ, cette nuit, que toutes ces choses soient consumées par le feu. Avant qu'on finisse cette veillée, Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire que toutes ces choses reçoivent la destruction de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et libère notre vie au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de sa prière. Au nom puissant de sa prière. Dieu m'a dit quelque chose. Hier, après, j'ai fini de prier avec quelqu'un. Dieu m'a dit, priez maintenant. À prier, il dit, tous mes enfants, NFL tout, doit recevoir la puissance pour frapper, détruire et déchirer les ennemis dans le rêve. Alléluia. Dans le rêve. Alléluia. Et on va appeler Dieu. C'est très très dangereux. Quand on trouve nous-mêmes dans le rêve, l'ennemi nous menace n'importe comment, ils sont partis. C'est dangereux. Allez, la personne a besoin de la puissance, l'autorité de Jésus. Ça veut dire qu'il y a la qu'on fait ça, on a dit de faire cette prière. Pour voir qu'il combat contre l'autorité de Jésus dans ma vie. Ça veut dire que l'autorité de Jésus n'est pas encore, la personne n'est pas encore reçu à ça. La personne, il manque l'autorité de Jésus-Christ. Amen. Il manque l'autorité de Jésus-Christ. Quand nous sommes dans le rêve, l'ennemi, il vient pour te combattre. Tu commences un combat contre millions de personnes. Et tu ne sais pas là, peut-être si c'est l'épée ou le bâton vient. Tu commences à tuer. Jusqu'à le temps que tu vas commencer de peur. La police ne veut pas venir. La police même, il vient. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Parti, ils sont trop comme toi. Laisse, va chez toi. Ça veut dire que la personne qui manque encore la puissance. Alléluia. Un petit chose. Quelqu'un va te prendre, mets dans la prison. Ah, tu es un enfant de Dieu. On va prier agressif cette nuit. Seigneur, il va nous baptiser avec le feu, la puissance dans le sang de Jésus. On va passer dans le feu de Jésus. Pour recevoir cette fée. C'est pour ça que nous allons examiner nous-mêmes bien. Alléluia. Si les choses comme ça arrivaient, on va devenir notre voix. Parce que cette église, c'est l'église que tu dois recevoir la puissance, l'autorité de Jésus-Christ. Alléluia. Pour n'importe quoi, il vient te toucher. Il vient, avant qu'il te touche même, tu vas le gifler. Alléluia. Tu vas le gifler. Je veux vous dire quelque chose. Il y a quelqu'un qui est déjà coupé la main. Et quelqu'un vient prendre son argent. Il vient prendre l'argent, son argent chaque fin de mois quand il reçoit son salaire. Le temps vient approcher pour recevoir son salaire, cette femme, il vient, il va voir seulement la main. Il va lui dire, donne-moi son salaire. Il va prendre tout l'enveloppe. Alléluia. Mais quand il est rentré dans la prière, il a parlé dans MFM. On lui a un ami, il arrive dans cette église.
Après, il a demandé voir le pasteur. Le pasteur lui a mis dans la délivrance. Il a donné un prier. Après, il a dit, chaque nuit, quand tu connais le temps que ça, les choses arrivent d'arriver, dit oui, quand ça approche, la prière que tu vas commencer de prier, que l'épée de Dieu, l'épée de Dieu rentre dans ma main. Je coupe cette main, je coupe. Toi qui viens prendre mon argent, toi qui viens voler mon argent, je coupe cette main, je coupe. Et à la grâce de Dieu, il est dans le rêve. Maintenant, il a vu cette main, il a venu. Et il dit, donne-moi. Il dit, non, ne donne pas. Ils sont commencés. Il a commandé. Donne-moi cette enveloppe. Il dit, non. Il a dit, non. Il a crié, non, ça allait Jésus-Christ. Et puis, les deux l'ont rentré dans sa main. Il a coupé cette main. Il a fait ça, il a disparu. Le matin, avant qu'il ait été lavé pour aller au travail, on l'a appelé que le bras de ta maman est coupé. Et donc, nous aider. Alléluia. Donc, ton maman est réveillée avec son bras coupé. Le sang dans le lit et tout. On voulait l'y amener à l'hôpital. Ah, comment ça a été passé? Le bras de mon maman. Ah. Il a dit, ok, va. Et il me dit aussi, quand ils sont laissés le téléphone, parce que ce Nigerien lui a appelé, le monsieur il est aux États-Unis. Donc il a appelé son pasteur. Le matin, immédiat. Quand il a pris son pasteur, le pasteur a dit, qu'est-ce que tu lui as dit? Il ne peut pas aller envoyer l'argent pour l'hôpital. Laisse. Il n'y a pas de problème. Si tu reviens au travail, tu vas me trouver à l'église. Je vais te dire ça qui est dépassé. Ne réponds pas même le téléphone encore. Laisse. Alléluia. Si le monsieur n'est pas rentré, il est en saint depuis des années. Il travaillait, mais l'argent là, il arrive. Il va programmer, faire le plan. Il n'arrive pas. Alors que c'est son maman. Maman qui lui a mis dans le monde là. Il a besoin de lui avoir aussi l'argent. Hein. Mais c'est lui qui prend ça dans le. Les sorcelleries qui viennent. Sorcellerie ne pitié pas quelqu'un. Il vous dit, donne tout le timon. Donne tout le timon. C'est sorcellerie le plus méchant. Sorcellerie, si vous voulez, s'il manque de la chair pour manger, il peut prendre sa bras, comment ça marche ça. C'est pour ça que c'est sorcellerie qui est le garde corps de Satan. Le temps que Satan a de chercher qui peut utiliser. Mon garde corps. Il a regardé tout le démon, les gens, il n'est pas comme ça. Où est le plus méchant? Il a trouvé que les sorcelleries sont les plus méchants. Sorcellerie, il va faire l'enfant bien. C'est lui aussi qui a voué les enfants, l'enfant là à l'école. Et c'est lui aussi qui l'a dit de manger l'enfant là un peu, jusqu'à le temps qu'il va lui maintenant donner à les autres. Il va appeler les autres. C'est le temps pour faire le cérémonie de mon enfant là. Alléluia. C'est pour cela que ce n'est pas quelque chose pour jouer avec. C'est pour cela que quand on regarde les gens qui disent, ne priez pas, c'est pour cela qu'ils sont sorcellerie. Sorcellerie, ils donnent dans l'église. Ils sont tous l'union de sorcellerie. Alléluia. Sorcellerie, ce n'est pas quelque chose. Ce n'est pas que la Bible lui-même dit que tuez. Ce n'est pas quelque chose pour jouer avec. Et rentre quelque part, il est comme un insecte. Oui, quand il rentre quelque part, avant que vous connaissiez ce qui a été passé, il a déjà fini tout ce qu'il a là. Comment on appelle, même le bed buzz là. Comment on appelle ça en français? Ça qui quand il rentre dans le lit, si elle rentre, si vous n'avez pas fait attention, il va revenir million, il va prendre tout le lit. C'est pas ta mythe. Et oui, ça qui souche le sang là. Ah, les punaises. Alléluia. C'est comme ça. Le punaise même, c'est bien. On peut même éliminer. Si ne veut pas partir, vous pouvez enlever tout le. Vous pouvez jeter tout ce qui est dans le chambre. Mais après, les gens qui fumaient là, ils peuvent mettre le sorcellerie. Il n'y a que Dieu, il n'y a que
et la puissance de Dieu agressive, très agressive pour combattre, pour éliminer les montagnes, pour les chasser. Sinon, c'est impossible. C'est pour cela que l'Église qui dit que les prix laisse le chef se soulever. Amen. Les chefs vont se soulever. Tout le force de ténèbres, c'est le soleil qui est, il est méchant, agressif. La destruction totale renverse la famille, détruit la famille, fait tout le monde revient. Oh, que donne elle le de Suisse. La mort prématurée, la maladie. Ce soleil ne fait pas les bonnes choses. Alléluia. Ce soleil peut voir son fils. Qui est le plus riche, qui est le milliardaire dans la famille. Vous savez que vous attendez qu'il a eu l'accident, il est mort. Alors que c'est celui qui nourrit son maman, qui fait tout. Mais que celui s'en fout de ça. S'en fout de ça. Il n'y a pas le temps pour regarder. C'est, même si tu veux construire la maison, donne-lui tout. Ça ne regarde pas. Alléluia. Que Dieu le fortifie dans le Jésus-Christ. Donc c'est que c'est ça, c'est pour cela que les enfants de Dieu, Dieu nous a dit, priez-vous sans cesse. Il dit, soyez-vous garde, c'est ça non? Êtes-vous très 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 intelligente. Parce que notre ennemi, ils sont très très intelligents et ils nous marchent, ils nous suivent tout le temps. Sous-souderie, quand ce sous-souderie, il bloque la vie de quelqu'un. Il n'y a que Dieu. Il doit bloquer ça. Si la personne n'est pas fait attention, il va aller commettre souci, il va aller faire ce suite. Il bloque tout. La personne, même pour pouvoir manger, même, c'est par la grâce de Dieu. Que Dieu le fortifie dans le Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est pour ça que la première prière qu'on va prier avant d'aller. La Bible dit on va voir dans le livre dans le livre de Jean 20. Jean 20. Les enfants de Dieu ont besoin de la puissance. Le temps que nous sommes là, ce n'est pas le temps de jouer. We need children of God, we need power. Power. This is not the time to play. We need power. Power. When you are still menace. The enemy coming to your dream, violating you. You cannot beat them. You cannot hit them. You cannot scatter them. Whatever they want to do to you, they do it and go. You are still lacking of power. That power, God said, I should tell you, pray that my people receive that power. Let them receive that power. John 20 from verse 22. John 20, verse 28. Even toi. And when he has said this, ye brethren of death, and said unto them, receive ye the Holy Ghost. Whosoever sin ye remit, they are remitted unto them. And whosoever sin ye retain, they are retained. Alléluia. En français. Après ces paroles, il souffla sur eux. Il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez le péché, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Alléluia. Donc ça veut dire que tous les vrais enfants de Dieu, si on a déjà reçu le Saint-Esprit, ça veut dire qu'on a l'autorité pour libérer. Et pour refuser, pour attacher. Alléluia. Pour dire que quelqu'un te libère, ou pour dire non, tu ne peux pas libérer. Alléluia. Et si on a cette autorité, comment encore l'ennemi il vient dans nos rêves pour nous faire n'importe comment? Comment on revient encore l'esclavage dans nos rêves? Parce que quand tu es esclavage dans nos rêves, physique aussi, tu es esclavage. Parce que spirituel et contrôle physique. Toute chose qui passe dans le monde là, il doit d'abord passer par spirituel. Alléluia.
Donc, si tu ne peux pas vaincre tes ennemis spirituellement, automatiquement, physiquement, tu es dans un cache. Alléluia. Et donc, fortifier notre esprit. Ennemi qui vient nous menacer dans le rêve, il nous a menacé, parti. Si on peut lui déchirer, frapper, je vous dis, quand il réveillait, oh, peut-être des fois on va attendre l'appel de quelqu'un comme ça dans notre famille, il est malade. Alléluia. Et on va l'appeler pour urgence, à un appel urgence. Donc, c'est ça qu'on lui a fait dans le rêve là, qui a été manifesté. Oui, ça m'a déjà arrivé beaucoup, j'ai déjà vu beaucoup de gens comme ça. Alléluia. Si on a cette puissance, quelqu'un que nous, on met un même beaucoup, s'il voulait mourir, Dieu peut nous montrer dans le rêve. On peut commander la personne dans le rêve. Retourne, ne mords pas, c'est pas maintenant que tu vas mourir. Retourne. Et la personne, il retourne. Et pour nous manifester, pour nous montrer que notre commande là vraiment était manifestée, on va aussi attendre physiquement que peut-être la personne a tombé maladie, le même elle aussi. Mais parce que ça qu'on a déjà fait dans le rêve là, on va lui dire qu'il ne ment pas. Dieu m'a déjà montré, j'ai déjà pris le contrôle de cette affaire. Alléluia. Plusieurs fois déjà, c'est pour cela que Dieu m'a dit qu'on doit recevoir cette puissance. Je rappelle, mon papa, le temps qu'il voulait, trois fois qu'il voulait partir, c'est comme ça, je lui fais retourner. Ah, et papa, qu'est-ce que tu fais? Ah, il dit, il attend l'ordre de la mort, je vais partir. Il dit, parti. Il dit, non, il attend l'ordre, on m'appelle. Il voulait qu'on dise, parti, retournez, tu vas partir. Retournez. Il dit quoi? Retournez au nom de Jésus. Retournez. C'est parce que maintenant. Tu m'as dit de retourner. Il dit oui. Tu m'as dit de retourner. Oui. Ok. Il a retourné. J'ai réveillé. Il commence à remercier Dieu. Il remercie Dieu. Il me dit le matin. 6h le matin, mes frères m'ont appelé. Papa est malade, papa est très très malade. Il dit, c'est urgent, qu'est-ce qu'on veut? Mais il est à l'hôpital, il n'y a rien. C'est déjà, Dieu a déjà réglé cette affaire. Dieu l'a vu. Il voulait partir. Partir où? J'ai retourné. On l'a amené à l'hôpital. Après midi, on m'a appelé. Ils sont dit, il est temps d'aller libérer. Mais oui, comment? Qu'est-ce qu'ils sont dit qui le trouble? Il dit non. Quand on l'a amené là-bas, après, mais ceux dit, ne voit rien. Les gars, il dit, ne voit rien. C'est comme ça. Il a libéré. Après, il est revenu en forme. Alléluia. On a besoin d'autorité. Alléluia. On a besoin d'autorité. C'est pour cela qu'on doit prier. Reçois cette autorité. Alléluia. We need that power. If we don't have that power, it will end. On a besoin de cette autorité. Besoin de cette autorité. Dieu va nous donner cette autorité, cette nuit, au nom de Jésus-Christ. Il va nous donner cette autorité. Parce que si vraiment Jésus-Christ l'a dit, c'est pour cela que tous les enfants de Dieu ont besoin du Saint-Esprit. Ce n'est pas le faux Saint-Esprit qu'ils ont appris de dire. Pas la langue. C'est ça. La personne qui parle, maman, ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça, là, c'est ton pasteur qui t'a donné ça. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ qui donne. Alléluia. C'est pour cela qu'on prêche. On prêche la parole de Dieu, le vrai parole de Dieu qui libère les enfants de Dieu, qui convainc, comme Psaume 19 que je vous montrer là, la loi de Dieu qui convainc les enfants de Dieu, les âmes. Il convertit les âmes. Donc quand nous sommes vraiment convertis, celui qui baptise, apôtre John de baptême dit, voici lui qui va nous baptiser avec avec le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ, c'est pas quelqu'un, c'est pas pasteur. Alléluia. C'est Jésus-Christ. Et il va nous donner ça aussi quand il voit que tu es déjà correct avec lui. Il ne dépose pas parce que le Saint-Esprit même, c'est lui-même. Alléluia. Cette fée, c'est ça qui est l'autorité des chrétiens.
autorité des enfants, des vrais enfants de Dieu. Il ne donne pas ça à n'importe qui. C'est pour cela que tous les vrais enfants de Dieu, on doit être sérieux, on doit être un vrai enfant de Dieu. Comme ça, Jésus vient car il nous donne ça. Dans le livre de Matthieu 18, il a dit, si vous demandez le Saint-Esprit, il peut vous donner. Si votre père qui sont péchés et tout, il peut vous donner et tout ça que vous demandez. Mais comment moi, comment mon père, si vous demandez le Saint-Esprit, on va vous donner. Alléluia. C'est le cadeau. Mais il y a la condition. Cette condition, c'est quoi? Tu dois être pur. Tu dois être pur. Avant qu'il te donne ça. Parce que c'est l'autorité. Si on a ça, l'ennemi ne peut pas nous menacer. N'importe qui vient nous toucher. À façon qu'on va lui, frapper. Que donne l'aide dans Jésus-Christ. Que donne l'aide. Que donne l'aide. C'est pour cela que cette nuit, on va demander le Seigneur Jésus-Christ. Cette puissance va nous donner le nom de Jésus-Christ. Il va nous donner. Dans le livre de Actes aussi. Actes. Il a dit, ok, on va lire le 4, verset 4. And be assembled to Acts chapter 1, verse 4. And be assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which said he, you have heard of me. For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. Alléluia. Donc, ici-là, il a expliqué encore. Dans le 4, verset 4, vous pouvez me lire en français. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'élevait à environ 5000. Acte chapitre 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Alléluia. Alléluia. Et le 8, verset 8. Verse 8. Mais vous recevrez une puissance du Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. C'est pour ça que les gens qui ne prêchent pas la vérité là, ils ne reçoivent pas la puissance. Ils manquent la puissance. C'est la puissance de Seigneur Jésus. Quand ça tombe dans sa vie, c'est ça qui va te faire de par la parole de Dieu sans perdre quelqu'un. Alléluia. Tu ne peux pas commencer de faire le romance la parole de Dieu. Vous savez qu'il y a des gens, la plupart des pasteurs aujourd'hui sont en train de faire le romance. Vous savez, romance c'est que il ne peut pas montrer la vérité du don. Il commence à faire comme ça. Alléluia. Et Dieu n'est pas dans cette affaire. Mais si tu reçois la puissance, immédiatement quand tu prends le micro ou n'importe où que tu vas, tu vas être témoignage de Jésus-Christ. Le témoignage, la puissance pour faire le témoignage là correctement, il va tomber sur toi. Et quand cette puissance tombe sur toi, quel genre de puissance qui peut être confronté dans le rêve? Il va venir. Le Seigneur n'est pas dit qu'il ne veut pas. Il va venir. Mais la personne va toujours les gagner. Alléluia. Il va toujours les gagner. Donc c'est pour cela que l'ennemi nous a été menacé parce qu'on n'est pas encore reçu à cette puissance. On n'est pas encore ça. Alléluia. On n'est pas encore ça. C'est pour cela que cette église MFM, il dit fais ça à toi-même. Alléluia. Pour traîner les enfants de Dieu pour comment faire le combat à eux-mêmes.
Comment tu vas faire le combat avec toi-même? C'est pour reçois le Seigneur et la parole de Dieu dans l'esprit et dans la vérité. Sois converti sincèrement. Et maintenant, procédez pour recevoir la puissance. Alléluia. Il y a attends-vous ici. Il y a la puissance qui va vous fortifier, qui va vous donner l'autorité sous votre ennemi, qui va vous faire revenir comme un lion, qui va vous faire revenir égo pour confronter le forteresse de Satan. Il y a le forteresse devant nous, il y a le forteresse du diable, il y a le cache du diable, il y a la prison du diable. Que le diable a déjà utilisé pour fermer tout le monde. Mais si tu n'es pas reçu cette puissance, comment tu vas briser et détruire et sortir dans cette cache? Alléluia. On va lever. On n'a pas beaucoup de temps pour perdre. Je dis, on va lever. On a besoin de la puissance. Vous besoin de la puissance. On a besoin de la puissance. Il a besoin de la puissance. L'église a besoin de la puissance. Priez, demandez au Seigneur, qu'est-ce que c'est? Demandez Dieu d'abord. S'il y avait quelque chose qui se passait avant que l'ennemi accuse notre autorité, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a là que on ne se pas correct avec lui. Il y a là que, pour pas de souci, la Bible dit, dans le livre de Jean 20, là qu'on a lu, avant que Jésus il a souffert sous ses enfants pour le soir du Saint-Esprit. Ça veut dire que les gens là, ils sont purs, ils sont corrects, ils sont ok, ils sont déjà. Prêt pour le soir de cette esprit. Donc c'est cela qui est immédiatement. C'est après son résurrection qu'il a fait ça. Il n'a pas fait ça le temps qu'il est avec lui. C'est après son retour, après qu'il a sorti dans le tombeau qu'il a visité, il a donné le Saint-Esprit. Parce qu'il sait qu'il est en besoin de la puissance. En besoin de la puissance. Et la puissance pour confondre votre ennemi. Parce que lui-même, c'est cette puissance qu'il a utilisée pour disjoncer le diable, pour disjoncer le ténèbre. Nous, on disons, c'est notre Père, il nous a donné ça. Priez de le Seigneur de source. Qu'est-ce qui est cette source? Qu'est-ce qui est cette source? Qui bloque, qui me limite, qui ne veut pas que je sois cette puissance. Que l'ennemi vienne me menacer n'importe comment. L'ennemi vienne me menacer n'importe comment. Dans le rêve physique et spirituel, on me fait les choses. On me utilise comme un esclave. On me commande n'importe comment. On me fait les faits n'importe comment. De ne plus de do anything in the dream. De ne plus have become slave in the dream. It's because you don't have the power. It's because that power has not come in. Pray, ask the Lord. What is that doing? What is that thing blocking that power? What that is that making that power not to come? Not to come. What is that thing that will resist the power of God in my life? Resisting the authority of Jesus Christ in my life. Ask the Lord to have mercy. Ask him to have mercy. You can never say, écoutez de moi. Je veux que ces choses qui refuse la présence de Dieu. Qui refuse la présence de Dieu dans ma vie. Dieu sait que c'est cette nuit. Je veux que tu fasses opération divine opération dans ma vie. Et de la suite, éliminer ces choses. C'est le mensonge. Et ce passage doit partir. Il doit partir. C'est la colère. La colère doit partir. C'est le désobéissance. Le bénévole contre Dieu. Il doit partir. Le Seigneur Jésus-Christ descend. Viens faire ton opération. Fais opération divine dans notre vie. En faisant ta puissance, tu dois nous baptiser cette nuit. Cette nuit, la baptême, le baptême, la puissance de Dieu. Que tu nous as promis. Tu nous as promis. Tu as promis MFLQ. Tout le monde est MFLQ. La puissance. Pour confondre votre ennemi. C'est le pouvoir qui vient nous menacer dans nos rêves. C'est le pouvoir qui nous prend, qui nous met dans la prison. Un enfant de Dieu. Le diable vient nous mettre dans la prison. Fire of God, with them. We are a child of God. You are not the child of God. You need to cry. Enough, Lord. Oh, Lord, pray. I pray you. Que le Dieu est un enfant de Dieu. Que le Dieu est conduit de proclamer Jésus-Christ. Et l'ennemi vient me prendre, me mettre dans la prison. Me prendre, me mettre dans le cache. Me prendre et me faire n'importe comment. Oh, Seigneur Jésus. Le demande de rentrer dans ma maison. Pour marcher sur moi n'importe comment. Ah, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aide-moi. Il y a quelque chose qui manque. Demandez le Seigneur Jésus. Oh, où est-ce qu'il y a le péché? Est-ce qu'il y a le péché dans ma vie? Commence à confesser. Tu dois aller soit cette puissance.
ressources et puissance tout sauter. Tu sois ressources et puissance. Le Seigneur, c'est des sources, c'est des sources, c'est des sources, c'est des sources. Alléluia. Il a pris tout. Tout ce pouvoir, il a dispersé. Il a dispersé tout ce pouvoir. Il a dispersé le diable. Il a menacé. Il a exposé. Il a dispersé. Et maintenant, c'est pour ça qu'il a dit, ah, je ne peux pas partir avec ce pouvoir. Je dois donner mes enfants ce pouvoir aussi. Pouvoir pour frapper notre ennemi. Pouvoir, quand tu es dans le rêve, tu viens contre moi. Maintenant, le Dieu va sortir. Le temps que tu vas prier, du milieu, tu ne sais pas même là, le manteau va rentrer dans ta main. Le pain de Dieu va rentrer dans ta main. Et puis, tu sors sur la sorte d'assurance. Va, l'homme, peut-être fort. Comme dans ton être. Localise, locate your children. Locate us tonight. You will visit us. You will visit us, Lord Jesus. Tu vas nous visiter avec cette nuit, c'est des soucis. C'est des soucis. C'est le temps, l'air, pour changer nos situations. Toutes nos situations doivent changer. On doit nous faire la puissance. Nous sommes la puissance. Tout ce temps, menacez le rêve. Église, importe quoi, en nous faisant le rêve. Ah, les choses qui ne veulent pas, qui n'est pas bien. Un enfant de Dieu, tout pour toi-même, dans le cimetière. Qu'est-ce que tu fais dans le cimetière? Tu as fait des machines dans le cimetière. Un enfant de Dieu, tout pour toi, importe quoi. Ah, sexe dans le rêve, importe comment, un enfant de Dieu, a de faire le sexe dans le rêve. Fais le sexe dans le rêve. C'est la pollution. Connais-toi, ta vie, il va laisser toujours blocage. Il va laisser toujours dans le blocage. Prenez-moi le Seigneur de Suisse. Seigneur, écoutez-moi. Si c'est le péché, c'est le péché. Identifiez ce péché maintenant. Il y a le péché qui ouvre la porte. Un péché seulement, ça suffit pour le diable pour l'utiliser. Un erreur, un péché seulement, ça suffit pour le diable. Le diable ne veut pas beaucoup. Un seulement, ça suffit pour lui. Il va utiliser ça. Devil, not only one, Rossum. He doesn't want much. Only one. Only that one will cause smarting. It's a door. We have opened door for the devil. As you know, you need power. Give me some la puissance. You never ate an enfant de Dieu. Le diable va tout de même utiliser. Marcher sous moi, importe comment. Le diable là dans ma maison, n'importe comment. Il vient faire n'importe comment. Il sort n'importe comment. Sans feu pour le continuer. Ah, Jesus. Appelle-toi. Tu puisses la puissance. Fais des soucis. Livre-moi ma vie. T'es jamais péché. T'es jamais péché. Qui ouvre la porte. Qui bloque. Qui donne le diable autorité. Pour conforter mon autorité. Ah, c'est des soucis. Qui donne le diable. La bouche. Pour conforter mon autorité. Les gens de péché qui ouvrent la porte. Priez demander le Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Il y a l'autorité. Thank you, Jesus. Priez demander le Saint-Esprit. Confesse tous ces péchés. Confesse et ne retournez pas les dons. Notre promesse est qu'on confesse, on retourne les dons. Si on confesse, on retourne encore les dons. Le diable va continuer son travail dans notre vie. Il va continuer. Reçois la puissance. Tu vas recevoir la puissance. Ah, Saint-Jésus. On veut ta puissance. La puissance. Thank you, Jesus. Lord Jesus, merci. Your mercy. Thank you, Jesus. Au nom puissant de Jésus, on va prier. Et si on connaît la secret de cette puissance, c'est ça que Ange Gabriel a dit Marie dans Luc 2. Quand cette puissance va tomber sur toi, Marie,
tu vas voir, tu vas commencer de voir que ton ventre commence à grossir. Alléluia. Cette puissance, quand ça tombe sur toi, tu vas voir que l'impossibilité devient possible. Alléluia. Ça, c'est le mystère de cette puissance. On va aller à Jésus. Alléluia. On va demander au Seigneur, baptise-moi avec ta puissance. Et c'est, il dit, vous va recevoir cette puissance. Ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas l'argent. On va utiliser à demain. Il va nous donner en tant que nous sommes purifiés et sanctifiés. À partir d'aujourd'hui, il n'y a pas de menace. Le diable vient comme menacer. Un enfant, il me fait tout. Seigneur Jésus, je refuse de rejet. Aujourd'hui là, tu vas nous visiter. Je vais. Baptise-nous, Seigneur Jésus. Baptise-nous. Holy Ghost fire. Take over. Fais le Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui. Que le Seigneur nous baptise. Localise ses enfants. C'est l'autorité des enfants de Dieu. Autorité des enfants de Dieu. Dieu, de ce que nous a donné ça, cadeau. Ennemi ne doit pas venir. Un autre homme à nous menacer. Ah, prendre encore un enfant de Dieu, aller de lui jouer comme un football. Ah non. On doit demander, est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu? Comment le diable continue de me menacer comme ça? Qu'est-ce qui passe dans ma vie? Reçois la puissance, c'est pour ça que cet ministère, c'est pour nous entraîner que on revient égo de Jésus-Christ. Égo de Jésus. On revient lion, nos papas c'est lion des tribus de Judée. On doit revenir lion. Reçois sa puissance. Saint-Jésus, le temps, l'air est déjà arrivé. Saint-Jésus, visite-nous. Holy Ghost, fire up, Holy Ghost. Power to march upon Satan and Scorpion. Regarde ça qu'il a dit. Il dit de vous donner la puissance pour marcher sous le serpent de scorpion. Sous tous les pouvoirs. Pourquoi l'ennemi vient encore nous menacer? Ça veut dire qu'on n'est pas encore reçu cette puissance. Reçois cette puissance maintenant. Seigneur Jésus. La personne que tu as dit, Seigneur Jésus. Il dit tout ce qui demande cet esprit, tu vas les donner, Seigneur Jésus. Tu vas nous donner, Seigneur Jésus. Aimez-vous. On demande à ta puissance, Saint-Esprit de Dieu. Baptiste. Cette nuit, à partir d'aujourd'hui, Saint-Jésus. Je demande, s'il y a quelque chose, s'il y a le péché, s'il y a l'erreur, s'il y a le petit péché qui ouvre la porte pour l'ennemi, pour confronter votre puissance, pour confronter l'autorité de Saint-Jésus, à partir d'aujourd'hui, je demande que tout ce péché soit effacé par le Saint-Jésus. Soit effacé. À partir d'aujourd'hui, je déclare, feu de Dieu. Baptiste le Saint-Esprit, baptiste qui nous donne l'autorité dans le Seigneur Jésus, qui nous donne l'autorité contre le ténèbre, qui nous fait, quand on peut, on rentre dans le ténèbre, on rentre là-bas pour aller dégager les gens, pour aller libérer les gens, c'est l'autorité, Saint-Esprit, baptise-nous avec cette autorité à partir de maintenant, commence à reçoit l'autorité, receive la power, donne-moi justice. Receive the power. Yes, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Ghost. Y'a quelqu'un parmi nous? Pourquoi cette pouvoir ne vient pas? Parce qu'il y a une alliance. Il y a une alliance
avec le chien. Il y a un hôtel dans votre famille. Cet hôtel, les anciens, ils sont venus les utiliser, ils sont venus les tuer. Même les parents, maintenant, ils ont déjà fait ça, ils ont déjà tué chien sous cet hôtel. Chien est déjà tué. Et cette alliance, c'est avec le chien. C'est donc le suivi des chiens qui détermine la personne. Et il rappelle que le suivi des chiens, c'est le suivi des sexes pollution spirituelle. Donc il détermine la personne. Des fois, la personne fait le rêve de voir le chien. Des fois, le chien est en train de jouer avec toi. On va aller venir te voir. On va prier. Cette alliance doit briser maintenant. Cette alliance doit briser. Cette alliance doit briser. Des fois, tu es en train de jouer, nourrir le chien. Il peut être un enfant, un chien, enfant, mais c'est faux. C'est parce qu'il y a une alliance avec l'esprit des chiens. Donc, on est dans la famille. On va aller venir te voir, on va appeler le Seigneur Jésus-Christ sous cette terre. Il y a la puissance dans le sang de Jésus, il y a la puissance, il y a l'autorité dans le sang de Jésus. Un portrait, l'alliance que mes ancêtres ont fait avec un portrait d'idole, avec l'esprit de chien, avec l'esprit de chien, qui refuse l'autorité de Jésus dans ma vie. I refuse to tell you about what you in my life. I command that covenant to be destroyed by the blood of Jesus Christ. Be destroyed. So I take away the praise, the death of the alliance, the death of the alliance. But I put some of the sun in this place. But I put some of the sun in this place. The blood is the sun is on my authority. Send this to set me. I must receive my authority. Authority in the name of Jesus. Authority in the name of Jesus. Authority in the name of Jesus. Authority to walk upon Satan and Scorpion, to march upon them. That is what Lord Jesus has given unto us. He gave us the authority to march upon them. Lord Jesus, I receive the authority. Resource in authority. Jesus! Resource in authority. Qui est la puissance? Dit, Jésus-Christ, il est au-dessus de toute autorité. Et nous, les enfants de Dieu, nous tous, on règne avec Jésus. Nous sommes avec Jésus, assis avec Jésus, afin de règner sous toute autorité. Quelle autorité qui te menace? Quelle autorité qui te menace? Aujourd'hui, reçois la puissance qui dépasse la puissance de ses autorités. Reçois cette puissance dans le sein de Jésus, dans le sein de Jésus. Reçois cette puissance. Receive that power. Who is that power? Who is that demon? Jesus. That demon, that devil, that Satan. Tormenting your children. Manipulating your children. Today, I need fire. I need the power to success. I need holiness. Already your holiness. I need upon them. Papa, baptize your children. Thank you, Jesus. À partir de ce lit, déclare
Abandonne-lui. Reçois la puissance pour marcher dans le dominion. Reçois la puissance. 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 Reçois la puissance pour marcher dans le dominion. Donne-le dans le Saint-Jésus. Donne-le dans le rêve. Donne-le au physique. Donne-le à son financement. Donne-le à son spirituel. Donne-le. Donne-le. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur de Suisse. Merci, Seigneur de Suisse. Seigneur, te glorifier. Ah, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Be glorified. Be Seigneur, il est très content. Il est très content. Bien glorifié. Sois glorifié. Alléluia. Sois glorifié dans le ciel. Sois glorifié sur la terre. Sois glorifié. Descend dans notre vie. 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 Par la puissance de la sang de Jésus. Ah, il a dit, dans cette puissance, descend dans notre vie. On va revenir le témoignage de Jésus Christ. Ah, si le diable continue de nous menacer, qu'est-ce qui est ce témoignage qu'on a dans notre position? On a quel témoignage? Ah! C'est-à-dire que le diable menace encore. Le diable prend, il met dans la prison, il fait dans la prison. Le diable vient dans sa maison, fait un pote comment. Quel genre de témoignage que tu as? À partir de ce que je déclare, la puissance pour testifier Jésus-Christ, testifier Jésus-Christ dans l'esprit de la vérité, rentre dans notre vie. Oh, la puissance de Jésus en prière. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Des fois, quand il est sur le rêve, depuis maintenant, quand il vient, quand je venais, on venait me forcer même de faire quelque chose, il me l'a dit. Je vais lui dire, tu ne sais pas que tu es sous un enfant de Dieu. Comment tu veux un enfant aller faire des choses comme ça? Alléluia. Il me dit, quand ça sort dans ma bouche, dans le rêve, toute cette force dégage. Et il déclare à partir de jeudi que cette puissance rentre dans notre violon de ce que ça rentre dans notre violon de ce que ça, c'est la puissance de témoignage. Dans le rêve, on doit testifier. Physique, on doit testifier. Importe où on se trouve, on doit testifier. Et c'est la puissance qui dominait la puissance de ténèbres. Si on n'est pas encore, tu n'es pas encore revenu comme ça. Priez, appelle Dieu. Notre vie s'est bloquée parce qu'on n'est pas encore reçu cette puissance. Mais on est là à partir d'aujourd'hui que la puissance pour revenir aigle de Dieu, lion de Dieu, lion de Dieu, que cette puissance rende notre vie, 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 rende notre vie. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Ah, Jesus Christ of Nazareth. On dit qu'on a besoin de cette puissance. C'est pour cela que des fois, les gens vont aller prier pour quelqu'un. Tu vas aller prier pour quelqu'un, tu n'es pas encore reçu la puissance de dominion pour ta vie. Tu vas aller prier pour quelqu'un. Hey, tu voulais que. Il y a quelque chose qui soit dans le. Il y a un parabole, il dit.
le corps, le, c'est ça, non? Le cercueil qui comporte le corps qui est déjà mort et qui transmet le corps, il a encore fait l'accident dans la route. Hein? Ambulance qui a fait le transport de corps, fait l'accident dans la route. Le corps est sorti, tombé là dans la route. Qu'est-ce que. On ne sait pas que c'est double problème. Le problème, c'est augmenté. On va ramasser qui? Le corps et le cercueil, ou les gens qui sont blessés et les gens qui sont aussi morts encore. Tu n'es pas encore résolu la puissance, tu vas aller prier pour quelqu'un et tu ne sais pas que tu es en train de chercher le double problème. Alléluia. Les ennemis viennent dans le rêve de menacer. Tu dis, tu veux aller prier pour quelqu'un. Tu ne sais pas si le démon qui est dans la vie des personnes, ça te dépasse. Si tu vas là-bas, tu vas encore commander pour toi-même. Localise-moi maintenant. Baptise-moi par le feu. Baptise-moi par le feu. Il y a l'autorité qui fait Igou est revenu un oiseau de ciel. Il y a l'autorité. C'est un baptisme. Baptisme, Seigneur Jésus. Thank you, Jesus Christ of Nazareth. Merci, Seigneur Jésus. Thank you for your power. Merci pour ton mouvement. Merci. Thank you, Jesus. Cette tourmente aujourd'hui, c'est terminé dans le Jésus-Christ. C'est le pouvoir qui vient nous faire n'importe quoi. À partir d'aujourd'hui, Dieu va nous montrer qu'il est Dieu. Quand il va essayer de venir encore, je déclare manteau de Dieu, bâton de Dieu, l'épée de Dieu, manifeste dans notre main. Pour les tuer, pour les couper, comme ce témoignage. Comme cette mission a coupé la main de cette femme. Et quand il a coupé cette main, il ne sait pas si la main de son maman sous le lit, qui vient détruire sa vie, qui vient manipuler sa vie, qui vient voler tout son argent. Je déclare aujourd'hui, Seigneur Jésus, n'importe qui va transformer ou changer et faire n'importe comment, vient n'importe comment pour rentrer dans notre vie, pour nous tormenter, pour nous freiner, pour nous mettre en cage, pour nous mettre en prison, pour nous user n'importe comment, pour nous toujours faire revenir un esclave dans le rêve, dans le monde spirituel. À partir d'aujourd'hui, je déclare la victoire dans la croix de Jésus, la victoire de la résurrection, la victoire de Jésus, la victoire de la croix. Vous parlez la croix, tu sors de notre vie, et sois sa puissance, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Thank you, Jesus. Il y a quelque chose que vous êtes en train de me dire encore, que je vous dis. Il y a quelque chose qui bloque aussi la puissance. Il dit que quelqu'un parle trop, il ne peut pas jamais garder la puissance. Quelqu'un qui parle trop ne peut pas jamais garder la puissance. Alléluia. C'est pour cela que, regarde tous les gens qui servent le diable. Il n'est pas trop. Tous les gens qui ont fait l'alliance avec le diable, qui servent le diable, ne parlent pas trop. Alléluia. Donc, c'est pour cela que aussi, la Bible nous a fait comprendre que nous aussi, les enfants de Dieu, savoir comment fermer ta bouche. Ne parle pas trop. Si on veut avoir la puissance et rester dans la puissance et dans le dominion, ne parle pas trop. Que Dieu nous fortifie dans le Jésus-Christ. Seigneur, je te glorifie. Prends contrôle.
prend contrôle. À partir d'aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, notre vie spirituelle, notre vie physique, financement, matériel, importe où, aujourd'hui, je déclare que le Seigneur nous baptise avec la domination, la puissance de 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 domination. Au nom puissant de Jésus, avant prière. Au nom puissant de Jésus, avant prière. Au nom puissant de Jésus, avant prière. Amen. 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 Thank you, Jesus Christ of Nazareth. Maintenant, on va rentrer dans la guerre. La Bible dit, il y a quelque chose, il y a une caractéristique de ego. Ego, c'est un oiseau, un animal qui lance contre-attaque. Maintenant, on va lancer une contre-attaque contre n'importe quoi qui a passé dans notre rêve. N'importe quoi qui a passé, que nous, on sait qu'il a passé dans notre rêve depuis janvier jusqu'à maintenant. Ou depuis des années, qu'on sait que ça répète encore. Mais on a perdu. Mais cette année, je déclare qu'on n'avait pas perdu encore dans le Jésus-Christ. Avec la puissance là, lance contre-attaque contre cette force. Contre-attaque contre ce pouvoir. Contre-attaque contre cette sorcellerie. Lance, je demande maintenant, prier, demander le Seigneur Jésus-Christ. Par la puissance de paix de Dieu. De paix de Dieu, c'est le matin de Dieu. Tout le matin, toutes ces choses que Dieu a créées, c'est les armes de guerre de Dieu. Utilise pour lancer contre-attaque. Et pour récupérer tout ça qu'on doit récupérer. Priez pour le Seigneur Jésus. Pray. Use anything. Launch counter-attack against that power. Against that demon. Because you have received that power right now. Launch. Recover. Récupérer. The last counter-attack. The last counter-attack. Call on the spirit of the soul. Call the spirit of the marine. Call the family in the name of the name. Avec moi, qui veut perdre ma vie, qui veut voler mon temps, mon étoile, ma joie, ma finance, qui veut faire le blocage dans ma vie, te lance ton attaque et te récupère ma destinée, te récupère ma vie, te récupère ma finance, te récupère ma joie, te récupère ma ministère et mon appel, te récupère le temps de Dieu dans ma vie, te récupère ma santé, te récupère ma santé, par la puissance de Saint Esprit, te récupère, te récupère. Jesus, Lord Jesus, recover. It is time to recover. By the power, the baptism of the power is authority, Lord Jesus. Authority that confirms us to be your children. We cannot lose our authority. By receiving that authority, we launch counter attack as the ego of Jesus Christ, as the ego of God. Ego is known, Lord, the consistency of the ego is to launch counter attack, to launch counter attack. We launch counter attack. I launch counter attack against every power of darkness, and I recover all that I have lost. Right from another syllable, the last counter attack, come to me, the pouvoir de l'ego, et je récupère tout ça que j'ai perdu depuis le vent de ma main. Depuis le vent de ma main, je récupère ma vie, je récupère ma destinée, je récupère ma destinée, je récupère mon étoile, je récupère ma misère et mon appel, je récupère mes enfants qui sont volés, je récupère mes enfants par la puissance de sang de Jésus, je récupère mon santé, ils sont volés, venez mon santé, cachez dans les ténèbres, cachez dans les couvents, Holy Ghost! Je récupère ma santé, je récupère ma finance, je récupère ma vie, je récupère mon santé, je récupère mon diplôme, je récupère mon dossier, je récupère mon papier, je récupère, ma salut, ils sont en train de tourmenter depuis des années, je récupère ma salut dans le sein de Jésus, je récupère le sein de Jésus, récupère. Tous mes organes sont volés. Tu récupères mes organes. Récupère. Père de Jésus. Vertu de ma vie. Mes vertus vous sont volés. Tu récupères Jésus. Ah, Père de Jésus. Mon mariage vous sont volés. Tu récupères. Récupère. Ma santé, de récupérer. Mes enfants, de récupérer.
Ah, Jesus Christ of Nazareth. Mon intelligence va s'agir. Récupère tout. Je déclare par exemple, la puissance du monde pour rester dominant dans le Seigneur. Tu dois dominer, tout pouvoir des ténèbres, tout pouvoir des sorcelleries. On doit être dominé. Il nous a dit de donner la puissance. Donne la puissance pour marcher. Quand tu marches, tu as donné le dominé. Il est bien fait. Ah, Jesus Christ of Nazareth. Dans le mighty Jehovah. Mighty Jesus. Mighty Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci Saint-Esprit. Thank you, Jesus. Oh, no, puissance de sa prière. Thank you, Jesus. J'avais fait un rêve une fois. Je vois moi-même, j'ai dit de marcher sous la mer. I saw myself walking on the waters, on the great ocean, like Jesus. Comme Jésus-Christ. Il y a des marchés. Dieu prie, il passe de vie. Quand il veut même ma mère, Dieu le Dieu. Quand il veut même mon pied, Dieu prie, je veux rentrer, mais je veux voir comme, comment on appelle ça c'est moquette. Il y a l'autre, Colosse là qui est comme. L'autre, c'est l'homme aussi, sous la. C'est ça qui est comme le plastique. Ah oui. Mais là, je veux voir, quand je veux mettre la main, je veux voir quelqu'un va placer ça. Je mets la main, je mets le pied, ça va être une aide. Comme ça, on va voir comment je vais marcher. Aïe. Et après, quand je demande, ça c'est autorité sous tout pouvoir dans la mer. Comme le souci de la marché. C'est pour montrer que. Il est autorité, tout ce qui est là-bas, c'est lui qui contrôle. Alléluia. Et c'est comme ça que tous nos enfants de Dieu doivent être. C'est comme ça qu'on doit être. Alléluia. Et je déclare aujourd'hui que le Seigneur descend dans notre pays. Et importe où qu'on nous a été déminacé, à partir d'aujourd'hui, de changer cette situation dans les Suisses. Cette histoire se change dans les Suisses. C'est nous qui va commencer de l'éminacer dans les Suisses. On va commencer de l'éminacer à partir d'aujourd'hui. La puissance dans les Suisses. Puissance spirituelle. Thank you, Jesus. Parce que toutes choses qu'on voit dans le monde là, c'est spirituel. C'est spirituel qui connaît aussi quelqu'un qui perd la guerre dans le rêve, spirituellement, automatique. Il a déjà perdu. Alléluia. Et il déclare aujourd'hui que tout combat qu'on a perdu spirituellement, à partir de maintenant, récupérez cette victoire. Récupérez cette victoire. Récupérez cette victoire. Récupérez cette victoire. Au nom de Jésus. Au nom puissant de son prière. Amen. Colossiens. The book of Colossians, chapter 1, verse 13. Colossians, chapter 1, verse 13. Verse 13 said, "Who have delivered us from the power of darkness and have translated us into the kingdom of his dear Son." Hallelujah. Amen. Amen. En français. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Délivrance est très importante dans la vie de tous les morts qui veulent rentrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Délivrance est très importante. La délivrance est pour nous faire sortir dans le ténèbre. Chasser l'esprit impur. L'esprit qui refuse la puissance de Dieu, qui refuse l'autorité de Dieu dans notre vie, qui nous pollue. Délivrance, c'est pour chasser tous ces esprits, pour nous transporter dans le royaume de son enfant. Maintenant, on quitte dans le ténèbre, on rentre dans la lumière. Alléluia.
délivrance est très importante. Et délivrance, il continue dans notre vie jusqu'à le jour que il va nous dire revenir à Elie. Parce que à part que tout mange, on fait toute l'activité. Ah, la mesure qu'on mange, du monde, il produit la nature. Alléluia. Les habits qu'on porte, tout, on achète, on va voir le nom, il va mettre le nom, il peut même mettre le nom qui est comme notre nom. Mais en ce qu'on connaît celui qui est dedans. Peut-être c'est le monde qui on appelle ce nom. Alléluia. Mais on achète, on porte. Je ne sais pas que c'est le démon qu'on a été marcher avec les démons. Alléluia. C'est pour cela que la délivrance, c'est obligatoire. Obligatoire. Dans notre vie. Toute l'activité, toutes les choses qu'on fait. Les amis, même dans notre famille, les parents, plupart de notre parents, ils sont déjà revenus du monde. Alléluia. Je vous dis, dans notre message de ego. Il y a les hibou qui sont nés dans la maison des poulets. Alléluia. Poulet, il peut nier hibou. Mais quand le temps il va arriver, par la grâce de Dieu, Dieu va venir dire hibou que tu ne sais pas que tu n'appartiens pas de cette famille que tu es. C'est ça qui est arrivé dans la vie de Paul. Paul était né dans la famille des poulets. Mais quand le temps est arrivé, Dieu est venu chercher Paul. Et qu'est-ce que le témoignage de Paul donne Galate 1, il dit, grâce à Dieu qui est venu me chercher parce qu'il était déjà séparé depuis le vent de ma mère. Il est déjà choisi comme égo, mais ni au milieu des poulets. Alléluia. Que Dieu l'aide dans les souris. Que Dieu l'aide. Donc c'est comme ça que plus parler de nous et l'aide. Beaucoup de gens, c'est comme ça que nous sommes. Devez-vous dire quelque chose. C'est un mystère. Nous tous, le temps qu'on vive d'abord dans l'esprit avant de venir dans le monde là. Nous tous. C'est pour ça que Dieu dit de te connaître avant que tu mènes dans le monde de ta mère. Alléluia. On était l'esprit vif. Donc, maintenant, quand on voulait maintenant venir dans le monde, si c'est le temps, nous on vient. On a besoin de faire l'alliance avec Dieu. Dieu il nous a envoyé pour venir dans le monde là, pour le savoir. Il va nous donner tout le plan. La personne va venir, le temps que vous voulez, la personne il vient, il veut rentrer dans le ventre de son maman, il vient avec tout son plan. Mais est-ce que vous savez que c'est un mystère? Mais je ne sais pas si peut-être pour la plupart de vous n'est pas encore attendu ça. Quand tout vient, il y a un point spirituel. Spirituel. Dans ce grand point, il y a les anges de Dieu, il y a les anges des diables qui attendent tout le monde là-bas. Donc, si tu veux, si la famille et le parent qui voulait tenir dans le monde, si sont les chrétiens qui prient, qui sont dans la prière, le démon ne veut pas t'arrêter là-bas. Le pouvoir de l'éternel ne veut pas t'arrêter. Parce qu'ils sont déjà protégés les enfants, le bébé dans le ventre. Il prie. Donc, quand la personne vient, il va rencontrer ce monde et l'ange de Dieu, on va les garder passer. Alléluia. Mais si c'est la famille qui ne connaît pas Dieu, obligatoire, c'est le démon qui va les arracher. Et quand il attrape la personne, ce qu'il va demander, c'est ta mission dans le monde. Où est le mission que Dieu t'a donné pour aller faire dans le monde? La personne, il n'y a pas la personne, il va les donner. Donc il va prendre ça, il va cacher, il va les donner une mauvaise. Les plans. Alléluia. C'est pour cela que la délivrance est très importante. C'est pour cela que quand on prie la prière, on dit, quand on demande au Seigneur, restaure mon original. Restaure mon original. Restaure mon original. Original est déjà volé depuis longtemps. Je parle maintenant. C'est le temps que tu voulais venir dans le monde là. Qu'ils ont déjà changé ça. Alléluia. Parce que tu as passé par le parent qui ne connaît pas le Seigneur. Peut-être qu'ils sont fétichés. Ils sont en train d'aller à gauche, à droite.
Les autres avaient des bois, fêter, ils sont enceintes. Parce qu'ils ne savent pas que la loi des enfants qu'il y a là-bas, elle a changé. C'est déjà changé. C'est maintenant la grâce de tout ce monde qui peut prendre la personne et lui ramène dans son original. Alléluia. C'est cela que la délivrance est très très importante. Le livre de Colossiens a dit, il nous prend dans le ténèbres, nous amène dans le loin de son fils. Donc c'est là-bas, utopie, là-bas qu'on nous a fait de rentrer dans le ténèbres. Aïe. On a revenu à Jean satanique. C'est cela que le temps qu'on commence à grandir, tout ça qu'on fait, c'est toujours ce qui est contre Dieu. Des fois, on peut aller dans l'église et même il va nous conduire dans le faux église. Il va faire tout, il va voir qu'on ne peut pas rentrer dans le vrai église là pour écouter la vérité et répandre et voir la répandre sincèrement. Jusqu'à ce moment, c'est le moins le temps que la grâce de Dieu, si la grâce de Dieu maintenant elle va venir. Si la personne vraiment, Dieu là, il a déclaré que toi, tu vas me servir. C'est ça qui va amener la grâce de Dieu. Et Dieu maintenant il va lui dire, va, quitte là-bas, sors. Tu n'es pas poulet. Il t'est crié pour être égo. Va aller chercher l'âme égo et l'air. Alléluia. Que Dieu nous fortifie dans le Jésus-Christ. Que Dieu nous fortifie. Donc c'est pour ça que délivrance c'est très important. Délivrance, c'est très très important. On va y aller. Il n'y a pas beaucoup de choses, mais on va appeler Dieu. Mais avant qu'il arrive, s'il vous plaît, aide-moi à lire Exode 3. Il y a quelque chose, on va demander tout de suite là. La main puissance de Dieu. Exode 3. I want to ask God of something. The mighty hand of God. Exode 3. Exode 3, 17 jusqu'à 20. And I have said, I will bring you up bring out us of the affliction of Egypt, unto the land of the Canaanites, and the Hittites, and the Amorites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites. This is the enemies. Unto a land flowing with milk and honey. And they shall hearken into their voice. And thou shalt come, and thou and the elder of Israel, unto the king of Egypt. And ye shall say unto him, the Lord God of the Hebrews hath met with us. And now let us go, we beseech thee, 3 days journey. Into the wilderness, that we may sacrifice to the Lord our God. And I am sure. Which verse are you? 3 verse 17 to 20. To 20, yeah. Yes. And I am sure that the king of Egypt will not let you go. No, not by a mighty hand. The last verse. And I will stretch out my hand and smite Egypt with all my wonders, which I will do in the midst thereof. And after that, he will let you go. We'll let you go. Mighty hand of God shall look at our enemies tonight in the name of Jesus. Amen. Amen. Hey, I'm et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte. Où vous souffrirez dans le pays des Canaan. Ah, rappelle que l'Égypte c'est notre monde, c'est cet endroit. L'Égypte peut être notre famille. L'Égypte peut être n'importe. Quelqu'un peut revenir Égypte contre nous. Alléluia. Mais il dit, je vais te faire sortir. Continue. Des Éthiens, des Amoréens, des Phéréziens. Tout cela c'est ennemi. Des Éviens. Quel genre d'ennemi? Éphésiens et Éthiens et à côté des Éphésiens. Dans un pays où coule le lait et le miel, ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte. Et vous leur direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous a parlé. L'Éternel, le Dieu des Hébreux. Alléluia. Amen.
continue. Nous a apparu. Mm-hmm. Permets-nous de faire 3 jours de marche. 3 jours de marche. C'est pour ça que la prière, tout ça, c'est prophétie. Quand la situation est n'importe comment, rentre dans la prière. 3 jours. Marcher sur le Seigneur. Hein? 3 jours de marche. Uh-huh. À faire 3 journées de marche dans le désert. Dans le désert. Pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Uh-huh. Je sais que le roi d'Égypte. La prière, c'est le sacrifice aussi. Un jour, c'est ça que je vous dis. Jour signifiait aussi le temps que tu as dit chercher ton sang. Donc, ça, qu'est-ce que tu as fait? Sacrifice. Facile is, you are drying yourself, it's a sacrifice. You are raising your blood. Your blood is drying. The water is drying. They are calling on God. It's a sacrifice. Alléluia. Continue. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est par une main puissante. Il dit, le roi d'Égypte ne veut pas vous laisser. L'ennemi qui a revenu le roi dans notre vie. L'ennemi qui a revenu le roi dans notre famille. C'est pouvoir, c'est puissance qui a revenu le roi dans notre village. Dans notre pays, dans ce pays. Qui dit ne veut pas nous laisser. Allez, ça, notre Dieu. Et de quoi? Par sa main. Continue. Je tendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, ils vous laisseront aller. Alléluia. La main puissance de Dieu. Lève-nous. Thank you, Jesus. Maintenant, I'm going to call upon the Lord. On va appeler le Seigneur Jésus-Christ. On veut la main puissante de Dieu dans notre vie. Je veux la main puissante de Dieu dans ma vie. C'est un pharaon. C'est un ennemi qui a révélé le roi dans ma vie. C'est un ennemi qui a révélé le roi. Qui contrôle ma vie, qui assure sur ma vie, sur mes enfants, qui a revenu me voir, qui me manipule. Oh Seigneur, je demande ta main. Je demande ta main. La main puissance de Dieu qui a libéré son peuple, qui a libéré les Israélites, libre de Dieu. Dieu sous le libre de Dieu. Seigneur Jésus, que cette main apparu dans les effets tout maintenant. Apparu dans les effets tout. Oh Lord Jesus, let that mighty hand of God. Mighty hand of God. Appear in the effets tout now. Appear, Lord Jesus. Libère tous les enfants de l'enfant. Libère tous les mecs de l'enfant. Libère-nous. Là où on nous a fermé.
dans cette tâche, dans cette chaîne, chaîne à chaîne, chaîne à chaîne, vous savez, Jésus, pour nous lier, pour nous lier, pour porter notre vie, dans cette blocage, dans cette barrière, la main de guerre de Dieu, la main de libération de Dieu, apparaît maintenant, 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 apparaît sois fait du monde, sois appelé sur les sources, sois ce diable, qui refuse de nous laisser, qui refuse, qui ne veut pas que nous en pas, qui ne veut pas que nous libère, qui ne veut pas que nous partions, qui ne veut pas que nous nous laisser, la main de nous, sois-le, jupe les sources. Thank you, Jesus.
you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur Jésus. Thank you, Jesus. Tu pouvoir. Tu as déclaré que je vais mourir comme un poulet. Cette contrat et on va me manger comme un poulet. Je déclare à partir de maintenant, par le sang de Dieu, par le sang de Dieu, par la parole de Dieu, je déclare à partir de cette nuit, marche toi-même et mourir au nom de Jésus Christ. Je ne suis pas poulet, je ne suis pas poulet. Je suis libre de Suisse, je suis libre de Suisse, je suis libre de Suisse. Je ne suis pas poulet, tu ne veux pas le manger, tu ne veux pas le manger, tu ne veux pas le manger, tu ne veux pas manger mes enfants, tu ne veux pas manger mes enfants. You cannot eat my children, we are not chicken, we are not chicken. You need to eat yourself, we are equal of Jesus Christ. You cannot eat us, you are dead in the sepa, you cannot eat us, tu ne veux pas le manger. Nous sommes libres de Suisse. On ne suis pas poulet, on ne suis pas poulet. Mes enfants ne sont pas poulet. Commence à manger toi-même. Mange toi-même. Lave-toi ton sang. Moi, tu dois mourir. Tu dois mourir. C'est toi qui dois mourir. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. Par la puissance dans le sang de Suisse. Au sang de Dieu. Au sang de Dieu. C'est pas moi. C'est pas. Je suis séparé. Je suis séparé. Je suis séparé. Dans la mort. La mort. La mort. La mort. Pour la mort. Dans ma famille. Dans ma famille, Seigneur Jésus, cette main, je suis séparé par le sang de Jésus. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Thank you, Jesus. Maintenant, on va demander au Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, par la puissance de le sang de Jésus Christ, de transformer mon sang. Et mon sang revient le sang de Jésus Christ. Et Jésus, Jésus séparé. Jésus séparé. Dans le sang de la lien de ma famille. Au nom de Jésus Christ. Commence à prier. Commence à prier. Commence à supplier. Sépare toi-même. Sépare toi-même. Je sépare ma vie. Je sors dans la lien de ma famille. Je suis connecté dans la lien de la famille de Jésus Christ. La famille de Jésus Christ. La famille de Dieu de l'homme du bas. Je suis connecté par le sang de Jésus Christ. Par le sang de Jésus Christ. De côté, de côté, de côté. De côté de ma vie. Tout ça, vous m'avez connecté dans cette famille, dans la famille de Calif, dans la famille de Calif, dans la famille de Chas, dans la famille de Calif, dans la famille de Chas, tout ce qui m'a connecté, il m'a connecté, il ouvre la porte, pour le démon, pour le menacer, pour le m'attaquer, à partir d'aujourd'hui, par le sang de Jésus, je sépare, je sépare, je sépare, je brise, je coupe cette lien, je coupe cette lien, et je suis connecté, à le sang, à la lien, lien. Je suis connecté, le nom de Jésus Christ. Il y a dans cette famille, dans cette famille, dans cette famille de Jésus Christ. C'est Jésus Christ. Tu m'as bien acheté avec ton sang. Tu m'as bien acheté avec ton sang. À partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je branche ma vie, je branche ma vie, je branche ma vie, je connecte ma vie à la lumière de Jésus Christ. 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 Merci, Seigneur Jésus Christ. Thank you, Jesus. Tous ceux qui viennent dans cette famille. Famille d'Akalif. Famille de Poissy. Tout mauvaise chose. Qui vient dans la famille d'Akalif. À cause de ma déclaration aujourd'hui. À cause de ma déclaration aujourd'hui. À cause de ma déclaration d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Toi, cette mauvaise chose. Toi, cette mauvaise chose. Tu ne peux pas me trouver. Et mes enfants, je mets la barrière. Je mets la barrière. Par le sang de Suisse. Je mets la barrière. Par le sang de Suisse. Je mets la barrière. Par le sang de Suisse. Je mets la barrière. Par le sang de Suisse. Je mets la barrière. Par la puissance de Suisse. Je mets la barrière. Je mets la barrière. Je mets la barrière. Je mets la barrière.
Jésus. Mets la barrière, mets la barrière. 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 Dans la puissance de sang de Jésus. Mets la barrière, mets la barrière. Toutes vos choses à partir d'aujourd'hui. Ah, moi et mes enfants, moi et mes enfants, moi avec ma famille, moi avec tous, que Dieu m'a donné ce Jésus. Dieu met la barrière. On ne peut pas souffrir encore dans cet ancien ménage, ancien ménage satanique, ancien ménage démoniaque, ancien génération qui nous tombe toujours à partir d'aujourd'hui. Dieu ne sera pas venu de connaître et de connaître tout le monde. Placez ça sur un poteau qui a fait enlever la guérison. Un poteau que le diable a fait de nous tormenter. Placez cette main. Cette main qu'on a reçue, on a refusé pour recevoir le sang de Jésus. Placez ça. Take that hand. Place it everywhere that we want God to heal us. We want the power of God to take control. Et nous, on veut que la puissance de Dieu touche. La puissance de Dieu bouge maintenant. Bouge. Que la puissance de Dieu prend contrôle. Touche. Attrape là-bas. Seigneur Jésus. Jesus Christ of Nazareth. La puissance dans le sang de Jésus. La puissance dans le sang de Jésus. Blessé le ciel, blessé le ciel, blessé le ciel. Blessé le ciel, blessé le ciel, blessé le ciel. La puissance dans le nom de Jésus. La puissance dans le nom de Jésus. Où blesse le chien, où blesse le chien, où blesse le chien. Où blesse le chien, où blesse le chien, où blesse le chien. Je vois un chemin. Roi de roi, le Seigneur des Seigneurs. La Bible dit, dis celui qui est malade, il déclare, et Dieu se guérit. Et la puissance qui guérit tout le monde. Et la puissance qui libère tous tes enfants. Nous sommes tes enfants que tu as rachetés avec ton sang. La Bible dit, il dit, je n'ai pas venu avec n'importe qui, mais il dit, tout ce qui a perdu dans la maison de mon père. Et il dit, tous aussi qui a perdu dans la maison de ton père, il dit, n'importe où ils sont, le temps qu'il va attendre ma voix, il dit, il connaît ma voix, il va écouter ta voix, il va te suivre. On a déjà écouté ta voix. On a déjà pris notre bagage. Nous sommes maintenant avec toi. Seigneur, par ta main, justice, comme on a tous problèmes, situations, toutes choses, Seigneur Jésus-Christ, que ta main, justice, ta main qui a fait tes enfants sortir dans la main des pharaons, dans l'Égypte, dans la main des puissances qui règne dans leur vie comme un roi.
Seigneur, que cette main localise cette situation maintenant. Amen. Localise cette situation maintenant. Amen. Localise cette situation maintenant. Amen. Dieu de guérison, Dieu de délivrance, Dieu de salut, Dieu de miracles, Dieu de sanctification, Dieu de purification. Seigneur Jésus-Christ, je déclare toutes choses que tes enfants y veulent. Seigneur, localise cette situation. Localise cet endroit. Localise cet problème. Localise cette situation. Amen. N'importe quel démon qui est assis sur cette personne depuis longtemps, aujourd'hui, la main de Dieu t'est ouverte. N'importe où que tu es, en train d'opérer, en train de faire n'importe quoi. Oh Seigneur Jésus, si c'est une maladie des familles, maladie des générations, maladie ascensionnée, maladie que nous-mêmes, on a mis dans notre vie, ah Seigneur, de demander. S'il y a parmi nous, que tu as déjà dit non, il ne peut pas les libérer. Je demande par ta miséricorde. Dieu de miséricorde. Dieu de miséricorde. La Bible dit, tu es Dieu qui pitié tes enfants. Viens nous pitié. Et mes frères, tu as été d'appeler ton nom cette nuit. Localise cette situation. Localise cette situation. Je demande la guérison divine. 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 La même puissance de Dieu. Localise cette situation. Commence à faire l'opération. Opération de béni. Opération de béni. Opération de béni. Opération de béni. Allez, tous ces choses. Dégage tous ces choses. C'est un mirage. Que origine de cette affaire, c'est des choses. Pour voir qui cause, qui amène ce problème. Je te challenge par la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Que ce pouvoir soit atterré dans Jésus-Christ. Soit atterré dans Jésus-Christ. Libère les enfants de Dieu. Libère les enfants de Dieu. Sept pieds, sept jambes, sept dos, sept vannes, sept batteries, sept têtes. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. La puissance dans le sang de Jésus-Christ. Tout le monde qui vit dans notre corps. Tout le monde, ils sont programmés. Tout le monde, qui sont incarnés. Du monde incarné. Du monde incarné. Écoute la voix de Dieu. Tu n'es pas le droit. Parce que le Seigneur est déjà racheté de cette corps. Cette corps maintenant appartient de Dieu. Je demande, toi, c'est du monde incarné. Par le feu de Dieu, évacuez de cette corps. Évacuez de ce corps. Évacuez. Je t'ai envoyé à l'enfer. C'est là-bas que tout appartient. À l'enfer, c'est ta maison. Je t'ai envoyé là-bas. Et de t'attacher là-bas, de te freiner là-bas, par la puissance de Jésus, par la puissance de Jésus, par la puissance de Jésus, au nom de la puissance de Jésus, Amen. Un petit parmi nous, elle nous veut utiliser comme un sacrifice. Seigneur Jésus, j'ai demandé, à partir d'aujourd'hui, tout pouvoir qui te cherche pour te user pour nos sacrifices, parce que tu es là aujourd'hui, je déclare, par la puissance de la parole de Dieu, la main de Dieu, localise tous ces pouvoirs. Localise tous ces pouvoirs. Mais attrape-les maintenant. Mets-les à fermer. À fermer. Physique et spirituel. Physique et spirituel. Rends-les aveugles. Rends-les aveugles. Disperse-les. Forcez toutes les activités. Que il va commencer le combat contre lui-même. Il va commencer le combat contre lui-même. Il va commencer le combat contre lui-même. Au nom de Jésus. 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 Thank you, Jesus. 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 Thank you. Thank you. Église, levez-nous la voix. Appelle Dieu. Dieu qui a libéré les Hébreux. Dieu des Hébreux, Dieu d'Israël. Ah, Seigneur Jésus-Christ, l'heure est déjà arrivée. L'heure est déjà arrivée, Seigneur Jésus-Christ. Par ta puissance, Seigneur Jésus-Christ, te conforte. Tout crocodile dans ta vie. Crocodile dans ma famille. Crocodile dans ma famille. Pour voir les ténèbres, pour voir
s'arrangerez pour faire son culte. Qui s'arrange l'autorité de Dieu dans ta vie. Aujourd'hui, je déclare par la puissance dans le sang de Jésus. Par la puissance dans le sang de Jésus. Que tout ce pouvoir soit rôti. 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 Par la puissance dans le sang de Jésus. Que tout le monde soit rôti de Jésus. Que tout pouvoir qui dit tu ne peux pas, que tu ne peux pas, glorifier toi. Change le niveau chanson. Niveau chanson, niveau chanson, niveau chanson, niveau chanson, niveau chanson, niveau chanson, c'est le niveau chanson que tu as préparé pour ta fille, Seigneur de Jésus. Elle doit chanter cette chanson, elle doit chanter cette chanson. Je dirai à partir d'aujourd'hui, que aujourd'hui, c'est la fin de cette histoire, c'est la fin, Seigneur de Jésus. Toute chose, tout pouvoir, qui challenge le Seigneur de Jésus dans ta vie, qui challenge le Seigneur de Jésus dans ta vie, qui dit, hé, il va dans l'église, tu vas voir comment il va se dire, il va se dire, Thank you, Jesus. N'importe quel animal, n'importe quel esprit, n'importe comment qui semble de transformer, n'importe quelle chose aujourd'hui là, je déclare que la main de Dieu rentre dans ta vie, la main de Dieu rentre dans ta vie, à partir de ton chevet rentre, et c'est Dieu lui-même qui t'a créé. C'est pas Lucifer, c'est pas Satan, c'est pas démon, c'est pas ton maman, c'est pas ton papa, c'est Dieu lui-même qui a permis ça, parce que il dit, je connais mon plan, mon projet dans ta vie. Je déclare après de lui dire que le projet de Dieu, le plan de Dieu commence à manifester dans ta vie. Commence à manifester. Amen. Le plan original de Dieu dans ta vie. Je déclare à partir de ce pays. Rentre dans ce plan. Rentre dans ce plan. Par la puissance de Saint Jésus. N'importe quel ténèbre. Pouvoir les ténèbres qui va essayer d'empêcher la puissance de Dieu, le plan de Dieu dans ta vie, à partir d'aujourd'hui, que le bouleversement de Dieu l'est conjugué. Le bouleversement de Dieu, le bouleversement de Dieu l'est détruit dans le Jésus. Par la puissance de l'Esprit de Jésus, je déclare par la puissance de l'Esprit de Jésus, tu es libéré. 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 Par la puissance de l'Esprit de Jésus, que ton épreuve lève. Contre n'importe quel hôtel, et ils sont en train d'évoquer ton nom, que l'hôtel de l'eau va les localiser avant qu'il ait disgracé. Au nom de Saint Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hein? Thank you, Jesus. Merci, Saint Jésus Christ. Merci, Dieu. On va demander une fois, on va prier. On va demander la miséricorde de Dieu sur la vie de sa fille. Priez pour la miséricorde de Dieu. Imaginez le Seigneur, que le Seigneur ait pitié. Que le Seigneur ait pitié. Que le Seigneur ait pitié. Pitié de elle, pitié de elle. Pitié de elle, Seigneur Jésus. Tu m'as dit de l'aider. Je te demande de demander ta miséricorde pour 7 jours. Seigneur, demande, Seigneur, aie pitié. Ta miséricorde. L'église a donné ta cible. Tes enfants prient. Pitié. Pitié. Réarrange sa destinée. Lui avance à destinée. Lui avance à destinée. Oh Seigneur de Jésus. Que ta mère, qui a libéré ton peuple, qui a fait ton peuple sortir dans la captivité, dans le tas satanique. Seigneur de Jésus, que ta mère, que ta mère, que ta mère, vous sang donne sa vie, vous sang maintenant, commence à réarranger et réorganiser sa vie. Lui arrange et réorganiser sa vie. Par la puissance dans le sang de Jésus. Au nom puissant de Dieu, sois bon prié. Que Dieu de miséricorde prenne contrôle de ta vie. Amen. Que toute ta confession soit acceptable. Et n'oubliez pas, le Seigneur dit, dis-le de confesser tout. Ne cache rien, non. Il voit, c'est Dieu qui voit dans nos secrets. Que le Seigneur exauce votre prière
au nom du sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Avec Jésus. Amen. On va terminer. Merci Seigneur. Donc, s'il vous plaît, tout le monde, met notre main dans notre croix. Commence à demander Dieu tout ce que nous on veut. Demandez le Seigneur. Demandez le Seigneur. Déclare. Demandez le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, quand je pose ma main sur ma poitrine, tu connais toute ma besoin. Tu connais toute ma besoin. Tu connais toute mon pleurer, mon âme. Oh Seigneur Jésus-Christ, tu connais tout. Viens me visiter. Visite-moi dans ma finance, dans ma vie, dans mon appel, mon ministère. Visite mes enfants. Visite mes enfants. Ta main qui n'est jamais échouée, qui a libéré ton peuple, qui a libéré ton peuple après leur captivité, tu les tous libérés. Que ta main me localise. Seigneur Jésus, localise tout ma besoin. Mes besoins, Seigneur Jésus. Mes besoins, Seigneur Jésus. Mes besoins, Seigneur Jésus. Localise ton église, elle fait tout. Localise elle fait tout. Bénis tout le monde. Qu'elle fait tout revienne. Oh Seigneur Jésus, terre de prodiges, signes de prodiges, salut, le vrai salut, la sanctification, la sainteté. Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci. Merci pour la de prière. Merci pour la de prière. Merci Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Thank you Jesus. Thank you for the Holy Spirit of God. Lord, I pray, Lord Jehovah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Anything. Lord, I'm not planted in your life. Tout chose que le Seigneur n'a pas planté et demandé. Toutes ces choses-là soient disparues maintenant. Par la puissance de l'Esprit de Jésus. La guérison du Seigneur Jésus-Christ. Dieu de miséricorde. Dieu qui n'est jamais changé. La main de Dieu. Commence opération. Commence opération. Toute flèche. Toute flèche. Toute flèche. Et déclare cette flèche. Écoute la voix de Dieu. Tu n'es pas le poids. Retournez à la voyer. Toute maladie. Toutes choses, tout programme c'est avec qui. Il est commandé. Et le fait de Dieu. Il dit, mais toutes ces choses dans le nom de Jésus. Thank you, Jesus. Il est power. Jesus. La main de délivrance de Dieu. Localise-nous. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Vous m'avez boire ça. Vous m'avez boire ça. Toutes choses, tout poison. Tout poison, tout ça que vous avez mangé dans le rêve physique et spirituel, dans la maison de votre mère, depuis le cordon obliquant, qui a rentré dans votre ventre, qui a revenu un poison, qui a revenu une maladie, contre nous, comme il voit le sang de Jésus, je commande que tout soit déraciné par le sang de Jésus, toutes choses, toutes maladies. Maladie de paralysis, maladie, la fatigue, maladie qui vient de la famille, maladie générationnelle. À partir de maintenant, quand je vois le sang de Jésus, tout poison dans le rêve, poison physique, poison importe où, que ce poison il vient, Seigneur Jésus-Christ, et tout ce poison soit déraciné dans le Jésus, soit déraciné dans le Jésus. Soit grâce au nom de Jésus, 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 par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, que tout ce poison soit grâce, toute maladie, toute chose qui ne vient pas de Dieu, Seigneur Jésus, je déclare maintenant que la paix de Dieu, que la paix de Dieu, que la paix de Dieu, que le feu de Dieu, que le feu de Dieu, que le feu de Dieu,
de racine éliminer toutes ces choses, Seigneur Jésus, que ton nom soit glorifié dans notre vie. Merci beaucoup, merci Seigneur Jésus, au nom du sang de Jésus, d'avoir prié. Que tu éclaires la puissance et la paix de Jésus par contre de votre vie. Que votre pied, Seigneur Jésus, que cette fille reçoit le fait de délivrance, le fait de guérison, à la puissance dans le sang de Jésus. Au nom du sang de Jésus, d'avoir prié. Merci Dieu, merci Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Merci Dieu.